le championnat démarre. Hein. Il a bien démarré puisqu'on a même eu l'occasion d'avoir Clément Chantôme, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est venu faire quelques balles avec Sylvie. Ils ont joué sur la table centrale d'une façon très gentille. Il est venu lancer. C'est un pongiste aussi, il joue très bien. Et ça nous a fait un plaisir. C'était un petit clin d'œil pour lancer le championnat Pro A. C'était un petit peu aussi pour détendre l'atmosphère parce qu'il y avait, on savait qu'il y avait un petit enjeu. Bon, en fait, c'est mon frère qui est rentré en contact avec Geoffroy Burkhardt qui m'a demandé de venir donner un coup d'envoi ici au Kremlin B7. Donc, comme j'aime bien le ping-pong, j'ai accepté. Donc, ce soir, je suis venu. Ça m'a fait plaisir de toucher la balle avec Sylvie Plaisant et de taper quelques coups ensemble. Donc ça fait plaisir et j'espère avoir une belle rencontre ici ce soir. Clément Dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaye de faire autre chose que du football. Donc avec mon frère qui fait du tennis de table, je tape la balle un peu avec lui. Donc c'est facile de progresser vite. On a joué un petit peu quand on est à l'hôtel. Avant les matchs, on peut jouer un petit peu au ping-pong. Donc on essaye de jouer. Mais plus trop en ce moment parce qu'on n'a pas trop de temps. Bah, j'espère que Clément Bissette va gagner ce soir. Un petit pronostic sur le match. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est le premier à 4, je crois. C'est donc j'espère que Clément Bissette gagnera 4-0. Bah, c'est complètement différent que le foot. C'est un peu collectif, mais aussi un sport individuel, donc c'est différent. Mais pourquoi pas, peut-être à la fin de ma carrière, me mettre au tennis de table. Hein. Bah, j'espère qu'on sera dans les trois premiers pour viser la Ligue des Champions parce que c'est un objectif important pour le club. Donc on va essayer d'obtenir cet objectif qui est important pour nous et on ne va pas gagner une coupe encore cette année.